Chère communauté, chers amis, bonsoir, saham dankum, sahaftorkum et marhababikum dans ce premier webinaire de Sahara Tech. Sahara Tech est une série de conférences qui a été proposée par l'Algeria Startup Challenge pour ce mois de Ramadan. Nous y accueillerons des personnalités de renom qui partageront avec nous leurs réflexions sur divers sujets, notamment économie, entrepreneuriat, mais aussi d'autres sujets qui préoccupent notre communauté et les Algériens en général. Je vous rappelle que l'Algeria Startup Challenge est une compétition nationale parrainée par le Premier ministère et placée sous l'égide du ministère de la micro-entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance. Elle a pour vocation d'aller dénicher les meilleurs projets innovants en Algérie. Le coup d'envoi des sessions préliminaires, pour ceux qui n'ont pas suivi, a été donné à partir de Constantine, avec la présence de Monsieur le ministre de la micro-entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance. Mais adaptation au contexte du Covid-19 oblige, nous avons lancé la campagne Pitch Mundarek. Lors de cette campagne, nous avons auditionné pas moins de 600 projets en ligne. Nous sommes fiers d'avoir pu le faire et d'avoir pu donner l'opportunité à toute cette jeunesse qui s'est inscrite dans notre programme de pouvoir présenter leurs idées. Et nous avons retenu 43 projets. En attendant de pouvoir organiser la grande finale, il nous est donc apparu tout à fait normal et naturel de préserver les liens que nous avons tissés avec notre communauté, que ce soit porteurs de projets, experts nationaux et internationaux, membres du comité scientifique ou encore nos partenaires. On propose aujourd'hui une série de tutoriels pour les porteurs de projets retenus ou non, que nous allons former en ligne pendant ces soirées ramadanesques. Donc, nous vous proposons une qada formation et aussi des webinars. Lors de ces webinars, des sujets d'actualité vont être abordés. Et on traitera de beaucoup de sujets. En parlant de sujets d'actualité, quel est le sujet d'actualité du moment si on ne parle pas du Covid-19 et de la pandémie qu'elle a engendrée, non seulement au niveau en Algérie, mais aussi au niveau mondial? Une pandémie à laquelle personne ne s'attendait et que personne, aucun pays, pas même les plus puissants, n'ont pu se préparer ni la gérer correctement comme il se doit. Alors, ce soir, pour en parler, nous recevons le docteur Hakim Jabla, le docteur Hakim Jabla qui nous a fait l'honneur de sa présence sans hésiter. Il est avec nous depuis New York. Le docteur Hakim Jabla, il n'est plus à présenter. Il a pas moins de 30 ans de carrière derrière lui. Il est pharmacologue américain d'origine algérienne, titulaire d'un BSc de l'université de Birmingham, Angleterre, et d'un doctorat de l'université de Leicester. C'est un expert en virologie et en oncologie de renommée mondiale. Leader d'opinion dans la recherche, l'élaboration et le développement de médicaments, il siège dans plusieurs conseils consultatifs. Par ailleurs, il est le président, directeur général et cofondateur de Karen Therapeutics, qui est une start-up dédiée à la science du vieillissement. Rien que ça. Le docteur Hakim Jabla a occupé plusieurs postes importants. Par le passé, tel que le président directeur général de l'Institut Pasteur de la Corée du Sud, l'Institut de recherche spécialisé dans les maladies infectieuses et oncologie. Mais avant cela, il était affilié au Memorial Sloan Kettering
Cancer Center, MSKCC, à New York, aux États-Unis, la plus ancienne institution de recherche et de traitement de cancer dans le monde. Alors, docteur Hakim Jablah, bonsoir, Sahaf Torek. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de partager avec nous ce soir votre savoir. Nous vous avons découvert sur plusieurs plateaux ces derniers temps avec ce qui se passe en ce moment relativement au COVID-19, au coronavirus COVID-19. Ces derniers temps, vous avez eu l'occasion de partager votre vision, votre expérience quant à la gestion des risques de pandémie. Moi, je sais à titre personnel que vous avez eu à gérer des situations similaires, notamment en Asie, en Afrique ou encore en Iran. D'après vous, quelles sont les leçons à tirer de la gestion d'une telle pandémie au niveau global, mondial, en général, et en Algérie en particulier? Merci pour votre invitation ce soir. Et c'est un plaisir. Sahaf Torek, comme tout le monde, salam alaikum, bonsoir, Azulfalawan, good evening everyone. Annyeonghaseyo, pour ceux qui parlent coréen. C'est un honneur d'être parmi vous ce soir. Donc, j'ai préparé une petite présentation qui va illustrer un tout petit peu les deux contrastes de ce qui s'est passé en Corée du Sud, qui va vous donner un tout petit peu une idée des leçons qui sont précieuses et très importantes de passer d'une pandémie à une autre. OK, donc vous voyez mon écran là? Oui, l'écran est visible. OK, très bien. Donc, c'est des leçons pour la Corée du Sud, comme exemple, durant ma petite présentation. C'est ce qui s'est passé en 2015, lors de la première pandémie du SARS-CoV de la même famille qui s'appelle le MERS. C'est un virus qui est apparu en Arabie Saoudite en 2012. Et donc, comme le titre de ce journal, de l'éditorial de Korea Times, il dit que MERS gets out of hand. C'était vraiment terrible durant cette période. Et il y a ma photo à côté de la présidente Park. Donc, en 2015, elle était présidente de la Corée du Sud. Actuellement, elle se retrouve en prison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Durant 2015, c'est les choses qu'il ne faut jamais faire ou c'est les choses qu'il faut faire très attention à durant une crise. Il ne faut jamais faire du cover-up. Il ne faut jamais nier. Il ne faut jamais mentir, surtout au peuple. Parce que tôt ou tard, tout va venir à la surface. La deuxième des choses, c'est l'expertise locale et le savoir-faire local. C'est très important. Et ça fait partie de ce que j'appelle preparedness, comment se préparer pour une pandémie. La troisième des choses, c'est l'infrastructure hospitalière. Vous avez vu actuellement à travers tout le monde, avec l'exception de la Corée du Sud, qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des hôpitaux. Notamment, même aux États-Unis, même ici à New York, tous les hôpitaux étaient débordés. Et il fallait que l'armée intervienne pour aménager des salles pour hôpital ou aménager des hôpitaux au Central Park. Il faut toujours avoir un message et le message doit être bref et consistant parce qu'avec toute une pandémie, ça vient le problème de l'hystérie, ça veut dire le stress, l'angoisse, et aussi il y a toute une psychologie d'une pandémie et c'est très important de gérer ça. Et aussi, il y a la sécurité nationale, du point de vue économique et aussi du point de vue invasion. Pour le cas de la Corée du Sud, la présidente, elle était beaucoup plus préoccupée que la Corée du Nord va attaquer que de gérer une pandémie qui était en route en 2015 en Corée du Sud. D'autres problèmes, d'avoir le savoir-faire,
Donc, vous allez faire les bons tests. La Corée a commencé avec les mauvais tests et ils ont dit à tout le monde qu'ils n'avaient pas de problème, qu'ils ne s'étaient pas infectés par le virus, qu'ils peuvent rentrer chez eux. Et ça a donné une propagation très rapide du virus au sein de quelques mois dans un pays de 55 millions d'habitants. Et pour la présidente, parce qu'elle a nié qu'il y avait un problème et elle a nié qu'ils avaient des hôpitaux qui étaient infectés par le virus, elle a mis l'armée sur les routes. Donc, en conséquence, il y a eu plus de 2 millions d'habitants de Séoul qui ont fait un sit-in. Donc, ils ont fait une petite protestation pacifique au sein de Séoul. Elle a fermé 9 000 écoles et elle a mis plus de 50 000 personnes en quarantaine. Ça, c'est pas Al-Hajar Sehi en Algérie, c'est pas reste chez toi. Non, non, non. On va t'amener dans une caserne militaire et tu vas vivre là jusqu'au point où on va trouver si tu es infecté ou non. Et ça a mis l'économie coréenne en danger. Tout ça à cause d'une personne. Donc, toutes les pandémies à travers le monde, dans toute l'histoire, ça commence toujours par une seule personne, la personne qu'on appelle patient zéro. Patient zéro est très important dans toutes les pandémies. En Corée du Sud, c'était une personne qui a causé pas mal de problèmes pour tout un pays, même au niveau économique, au niveau social et aussi au niveau de l'infrastructure hospitalière. À la fin de la pandémie, la Corée du Sud avait plus de 6 hôpitaux qui étaient complètement infectés par le virus. Donc, il fallait désinfecter les hôpitaux, il fallait déménager tous les malades dans d'autres hôpitaux pour pouvoir faire ça. Et ce n'était pas très facile à gérer dans quelques mois. Donc, à la fin de la première pandémie en Corée, une seule personne qui venait de l'Arabie Saoudite a infecté 186 personnes et a pu tuer 36 avec un déficit pour l'économie sud-coréenne de 36 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Ça a exposé beaucoup de problèmes au niveau de la gestion d'une pandémie, même pour un pays comme la Corée. Il y a eu le problème du gouvernement, en particulier de la présidente Park, de nier tout ce qui s'est en train de passer et de dire qu'il n'y a pas de pandémie. Ça, ce n'est rien que des fausses informations. Et si les gens vont parler de ça, on va les arrêter, on va les mettre en prison. Donc, il y avait un jeune de 24 ans, il était étudiant. Et c'est lui qui a pu s'introduire dans tout ce qui est fichier électronique du ministère de la Santé de la Corée du Sud pour trouver toutes les informations sur les hôpitaux infectés et les divulguer sur tous les médias sociaux en Corée du Sud. L'économie était presque au bout d'être en faillite. Le gouvernement, par conséquent, a injecté des millions de dollars pour un vaccin. Samsung a injecté aussi plus d'argent pour un vaccin. Et ce qui était très bien fait en Corée du Sud, c'était une enquête par l'Assemblée nationale. Et je vais parler un tout petit peu sur la division de tout ce qui est exécutif et de ce qui est législatif dans un pays. Et c'est très important, ces deux, comment ils travaillent durant une pandémie. Donc, à la fin de l'investigation de la pandémie de 2015, c'était enfin 2016. Donc, il y a eu pas mal de recommandations par l'Assemblée nationale de la Corée du Sud. Cette photo, c'est la plus fameuse photo en Corée du Sud. C'est Monsieur Lee qui est l'heir au Samsung Dynasty. Ce monsieur a une valeur de quelques milliards de dollars. Il demande un grand pardon au peuple sud-coréen. Et pour votre for your knowledge, on est en 2020, 6 ans plus tard, et on n'a pas de vaccin et on n'aura pas de vaccin. Donc, on passe à 2020. Qu'est-ce que la Corée a fait de différent? En 2020, ils ont appris la leçon. La première chose à faire, c'est de fermer les frontières. Le président Moon, on n'a pas pu le convaincre de fermer toutes les frontières avec la Chine. Il a fermé un tout petit peu avec la région de Hubei.
Et pour le reste de la Chine, il a laissé les passagers de la Chine venir en Corée avec un protocole technique au niveau des aéroports. Et si vous venez visiter l'aéroport en provenance de la Chine, vous allez, si vous avez votre téléphone mobile, vous allez installer un geolocator et vous allez passer dans une quarantaine de 14 jours. Sinon, on va te donner un bracelet électronique. Et ça, c'est pour voir à n'importe quel moment où est-ce que tu es. Si tu ne respectes pas ça, tu vas être expulsé vers ton pays d'origine. Ils ont activé les protocoles d'urgence. Et c'est très important d'activer les protocoles d'urgence. Parce que les protocoles d'urgence vont donner à l'exécutif beaucoup plus de pouvoir, moins de pouvoir au législatif et d'éliminer toute la bureaucratie de routine. Donc, tout ce qui est bureaucratique est éliminé. Et généralement, le président de la République ou le premier ministre du pays doit être en charge de ce protocole avec tout ce qui est militaire, parce que les militaires, ils ont tendance de bien connaître la logistique sur le terrain. Les Coréens ont fait un bon travail de tester et valider tout ce qui est dépistage. Ils n'ont pas eu affaire avec l'OMS. Ou avec n'importe quel autre pays. Ils ont tout fait tout seuls. Ils ont créé un Rapid Response Task Force. Ça, c'est des gens que vous voyez des fois dans des images de télévision qui sont sous les tentes ou qui sont dans des boîtes téléphoniques pour faire les tests aux gens. Et ils ont fait ça avec un style militaire et un style de précision. Et donc, en tout, la Corée a eu plus de 10 000 cas confirmés, 214 morts, à peu près 8 000 personnes guéries, après 400 000 tests performés sur une population de 52 millions. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. C'est quelque chose d'innovatif qu'ils appellent real-time monitoring. Donc, avec le géolocateur dans tous les téléphones mobiles, plus les bracelets électroniques. Une fois qu'on t'a trouvé, une fois qu'on fait un test, si tu n'es pas positif, on te laisse tranquille. Si tu es positif, tu es en self-quarantine avec un traitement. Et si tu es positif avec des symptômes, tu es hospitalisé immédiatement avec un traitement. Après, tu es libéré de l'hôpital et il faut revenir à l'hôpital chaque 2 ou 3 semaines pour un follow-up. Pour voir si tu es réinfecté, réactiver le virus. Si les résultats sont négatifs, tu es discharged, and you are cleared. Et si tu n'es pas, tu vas faire le deuxième cercle. Donc, à l'exception de la ville de Daegu, pour voir un tout petit peu les statistiques de la Corée du Sud, la région des Daegu avec les Gyeongsang, Bokdo, là où il y avait cet hôpital pour les malades mentaux, ils ont plus de 80% de tous les cas confirmés en Corée du Sud. Et ça, ce n'est pas par hasard. Ça, c'est à cause d'une seule personne, la patiente 31. Donc, c'est une vieille dame de 65 ans et elle a été infectée, positive. On lui a demandé de rester chez elle. Après quelques jours, elle s'est ennuyée. Elle a décidé qu'elle est trop vieille pour rester chez elle. Donc, elle est passée à l'église avec ses amis. Donc, c'était le Xinjiang Church of Jesus. Donc, c'est un secte religieux en Corée qui a plus de 2 millions d'adhérents. Et ces derniers, c'est des adhérents anonymes. Donc, rien que pour la ville de Daegu, il y en a plus de 200 000 adhérents. Donc, le gouvernement sud-coréen a pu faire 300 000 tests pour l'église, les membres de cette église, les alentours de cette ville et aussi pour cet hôpital. Donc, comme vous voyez, en 2015, une personne a causé 186 cas confirmés et 36 morts. Et en 2020, une seule personne a causé plus de 8 000 cas confirmés et plus de 200 personnes mortes. Donc, ça, c'est toujours avec toutes les précautions qu'on a pour gérer une crise comme ça. Il y aura toujours des gens qui ne respectent pas. Et ces gens-là peuvent
mener la dérive, peuvent causer un très grand dérapage. Les Coréens étaient vigilants de ça et c'est pour cela que les Coréens ont pu s'en sortir de cette crise. Donc, to manage a pandemic, il faut quoi? Il faut toujours se préparer. Et il faut avoir le crisis management. Et le crisis management, ce n'est pas l'administration régulière. Ce n'est pas des exemples que j'ai entendus, par exemple, dans la wilaya de Médéa, qu'il faut aller voir le directeur de la santé au niveau de la Daïra, qui va passer chez le Wali, qu'il faut faire un dossier qui va amener au ministère de l'Intérieur, qui va l'amener au ministère de la Santé. Il faut attendre une réponse. Durant une crise, le management, par ces protocoles, ça change parce que vous avez déjà identifié toute votre équipe sur le terrain, dans toutes les wilayas. Une fois que vous activez le protocole, le chercheur à l'université de Médéa devient plus important que le wali de Médéa et devient plus important que le ministre de la Santé ou le ministre de l'Intérieur. Et ça passe très bien dans beaucoup de pays, mais malheureusement, dans des pays autoritaires comme la Chine ou la Russie, ça ne passe pas. Pour d'autres pays qui ont peur de ce modèle comme la France, ils créent une commission de scientifiques. Et à peu près la même chose en Algérie, une commission de scientifiques au niveau du ministère de la Santé. Une commission de scientifiques qui a des gens qui n'ont pas travaillé dans le terrain pendant 20 ans ou 30 ans, ne vont pas vous donner un espoir. Et on a vu ce qui s'est passé en France, en Italie et aussi en Espagne. Et le pire, c'est en Angleterre. Parce que les décisions qu'ils ont prises en Angleterre au début, c'est comme un suicide massif de faire du herd immunity. Et après, ils ont changé ça. Donc, du point de vue santé publique, c'est d'identifier votre équipe à l'avance, c'est des gens que vous allez bien les entraîner et d'avoir des labos capables de faire leur propre développement de tout ce dépistage. Et ils seront en capacité, une fois activés, de faire ce travail avec leur équipe. La deuxième des choses, c'est les hôpitaux. C'est l'organisation des hôpitaux. Non seulement d'avoir un certain nombre de lits, mais d'avoir un réseau des hôpitaux. Malheureusement, en Algérie, on n'a pas un centre de contrôle de ces maladies, comme les États-Unis, la Corée du Sud, la France. Et ça fait partie un tout petit peu de la bureaucratie qu'on a peut-être héritée de chez ces Français. Donc, une fois qu'on a un centre de disease control, et ils vont faire de sorte qu'ils gèrent toutes les alertes de tous les hôpitaux du territoire national. Si on a 30 hôpitaux, si on a 100 hôpitaux, si on a 1 000 hôpitaux à travers le territoire national, à chaque fois que quelqu'un vient à l'hôpital avec des symptômes qu'ils n'ont jamais vus en avant, hein, auparavant, c'est une red alert, c'est une alarme qui sonne. Donc, c'est l'équipe au niveau de cette wilaya où il y a cet hôpital qui va être activée et ces gens-là qui vont travailler avec l'unité à l'hôpital pour voir c'est quoi cette maladie, c'est quoi les symptômes et est-ce qu'on a vu ça auparavant ou non. Une fois qu'ils font ça, donc l'alerte, ça passe au niveau du ministère de la Santé. En conséquent, l'alerte va partir d'Alger vers Genève, vers l'OMS. C'est comme ça qu'on travaille du point de vue santé publique au niveau global. Une fois qu'on a cette structure en place, par exemple, le citoyen italien qui a visité l'Algérie, aurait causé cette alarme rouge et je pense que le même jour, le président Tebboune aurait fermé toutes les frontières. Comme ça nous donne une opportunité de voir pendant une semaine ou deux, est-ce qu'il y a d'autres cas qui vont se présenter au niveau des hôpitaux, au niveau des cliniques privées. La Corée du Sud a fait ce travail-là
d'une manière impeccable. À chaque fois que quelqu'un se présente aux urgences dans n'importe quel hôpital, clinique, que ce soit urbain, non urbain, it's a red alert. Donc, c'est le Korean CDC qui va intervenir et c'est les gens qui ont été formés au niveau des universités où il y a cette clinique ou cet hôpital qui vont gérer l'affaire. Une fois qu'ils ont confirmé que c'est un virus, qu'ils n'ont pas vu le virus auparavant, qu'ils ont confirmé l'histoire du passager, là où il a été, d'où il venait, avec qui il a été. Donc, ça commence ce qu'on on appelle « the real-time cornering ». Donc, il faut identifier tous les gens que cette personne avait eu contact avec et il faut les isoler. Donc, du point de vue de l'infrastructure hospitalière, avant 2015, la Corée n'avait pas de chambre à pression négative pour isoler les gens avec des infections virales. C'est après 2015 qu'ils ont commencé à faire ça. J'ai travaillé et j'ai visité pas mal de secteurs de santé à travers le monde. Même aux États-Unis, il y a peu d'hôpitaux qui ont ça. Typiquement, c'est les hôpitaux militaires qui ont ça ou dans quelques pays pandémiques. Le seul hôpital où j'ai vu des salles d'isolation à pression négative, c'était en Australie parce qu'ils avaient deux problèmes. Ils avaient des cas de l'Ebola et des cas du virus du Hanta. Parce qu'ils font beaucoup de mining en Chine, donc le Hanta, et ils font beaucoup de mining pour l'or en Afrique, pour l'or, pour le diamant en Afrique, donc le Ebola. Et c'est cet hôpital, c'est dans la région de Melbourne. Donc c'est la seule infrastructure en Australie qui peut recueillir ou accueillir des gens infectés d'Ebola et des gens infectés du virus de Hanta. Pour le virus du SARS, on a besoin de ces salles beaucoup plus pour protéger tout ce qui est personnel de santé. C'est pour cela que vous avez vu à travers beaucoup de pays dans le monde, on a perdu beaucoup de docteurs, d'infirmiers, d'infirmières à cause de ça, parce qu'ils ne sont pas très bien protégés et toute l'infrastructure actuelle ne peut pas supporter ça. La chose qui est très bien, que la vague était venue dans une période où il ne faisait pas très chaud. Donc, si on ajoute de la climatisation à tout cela dans un hôpital, on va complètement contaminer l'hôpital. Et ce qui s'est passé au mois de juin 2015 en Corée du Sud, à chaque fois que ce patient passe dans un hôpital, même s'il reste 2 heures ou 3 heures, il a contaminé tout l'hôpital. Parce que le système d'échange d'air et la climatisation vont prendre et vont faire circuler ce virus dans toutes les chambres au niveau de l'hôpital, avec l'exception des chambres de chirurgie qui sont isolées, qui ont leur propre ventilation. Donc, pourquoi on a besoin de ces protocoles d'urgence? On a besoin de ces protocoles d'urgence parce qu'on veut dans beaucoup de pays, on veut diviser pour une petite période tout ce qui est exécutif. Aux États-Unis, l'exécutif, c'est le président Donald Trump, de tout ce qui est législatif, c'est le Congrès. Et pourquoi on veut faire ça? On ne veut pas d'interférence politique. Il faut bien comprendre. Si vous avez une pandémie, c'est une guerre. Et lorsque vous avez une guerre, vous n'avez pas besoin de politiciens qui vont commencer à faire de la politique. Si vous pouvez séparer les deux avec un protocole d'urgence, une fois activé, le pouvoir du président, par exemple, aujourd'hui le président Trump, a beaucoup de pouvoir sous l'acte de guerre qu'il a activé il y a quelques semaines. Ce que ça veut dire, si M. Trump a besoin de ventilateurs, M. Trump peut devenir le CEO de Chrysler, le CEO de GM, le CEO de n'importe quelle compagnie qu'il choisit. Il va leur demander de commencer à fabriquer des ventilateurs immédiatement. Plus de voitures, rien que des ventilateurs.
cesser le pouvoir durant une pandémie de donner au chef d'État, au premier ministre, pour gérer l'affaire. La deuxième des choses, on élimine toute l'administration de routine. Ça veut dire tout ce qui est non essentiel reste non essentiel. Donc, au niveau de tout ce qui est législatif, tout ce qui sont en train de travailler sur des nouvelles lois, tout ce que vous voulez, ça s'arrête. Parce que le pays est en crise et en plus la sécurité du pays est en danger. Donc, aux États-Unis, le président a créé sa commission. Il passe pratiquement chaque jour à la télévision et c'est des gens de terrain avec les experts dans l'infectieux. Et derrière la scène, il y a toujours les militaires. Boris Johnson, en Angleterre, a fait une chose différente. Il a pris quelques conseillers et une fois que ça n'a pas marché avec ses conseillers, il a changé, il a créé une autre version d'un comité de scientifiques qui va gérer l'affaire. Mais la différence pour Boris Johnson, il y avait une présence militaire. La présence militaire, ce n'est pas pour effrayer les gens. Les militaires dans n'importe quel pays, ce sont les champions du terrain, soit qu'on le veuille ou non. Ils sont capables de monter des hôpitaux, des infrastructures. Ils sont capables de gérer toute la logistique sur le terrain. Ils sont des experts. Ce n'est pas FedEx, ce n'est pas UPS. C'est les militaires qui peuvent faire ça. Donc, c'est très, très important de faire ça. Par contraste, en France, la commission que Macron a créée n'a pas vraiment marché pour le pays. Il y a quelques semaines, il est revenu chez les militaires. Parce que c'est les seuls qui peuvent gérer tout ce qui est logistique sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de modèle dans une pandémie où il y a un nouveau virus. Donc, on est dans une pandémie actuelle. Il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons avec la grippe. Le SARS-CoV-2, ce n'est pas la grippe. Il ne travaille pas comme la grippe. Il ne va pas disparaître lorsque ça va devenir chaud. Donc, c'est très important d'avoir ces protocoles en place. Une fois que vous avez une pandémie et activée, vous avez une chaîne de commande avec une seule personne en haut qui prend la décision. Malheureusement, l'Algérie a fait à peu près comme la France, mais sans notre président Tebboune. Donc, c'est au niveau du ministère de la Santé et c'est au niveau du ministère de la Santé de créer cette commission scientifique et aussi de donner un pouvoir énorme à un institut, l'Institut Pasteur d'Algérie, qui n'était pas à la hauteur de gérer une pandémie. Donc, vous voyez à peu près comment ça s'est passé. Ça ne veut pas dire que notre gouvernement a échoué. Par contre, notre gouvernement a fermé les frontières. Il a commencé le confinement. Donc, il a fait une bonne chose parce qu'on était à peu près 3 semaines derrière ce qui se passait en Italie. La deuxième des choses qui est très importante pour ces protocoles, c'est le pouvoir du président de fermer les frontières. Le président Trump n'a pas le pouvoir de fermer les frontières. Il faut qu'il active un acte d'urgence. Une fois qu'il active un acte d'urgence, il n'a pas à aller chez le législatif de demander leur permission de fermer la frontière. C'est pour cela, après quelques va-et-vient entre la Chine et les États-Unis, au début du mois de février, le président Trump a décidé de fermer la frontière avec la Chine. Parce que le président Trump n'a pas le pouvoir exécutif de commencer une guerre. C'est le législatif qui doit voter. Et lorsqu'on a des protocoles d'urgence, on donne de nouveaux pouvoirs spécifiques pour le président de prendre, tels que fermer les frontières. Parce que fermer les frontières contre une autre puissance mondiale, c'est un acte de guerre. Donc, des fois, il faut faire la balance entre les deux. Il faut jouer la diplomatie. C'est pour cela que le président Trump n'a pas fermé les frontières avec les pays européens, bien que
les pays européens étaient dans une vraie catastrophe. Et lorsqu'il a décidé de fermer ça avec des consultations diplomatiques, c'était trop tard. Parce que le virus est arrivé non seulement à New York, mais notamment à Chicago, à Boston. Donc, lorsqu'on a ces protocoles en place, donc, le président peut prendre ses décisions et peut fermer les frontières avec des consultations diplomatiques sans passer par tout ce qui est législatif, l'Assemblée nationale ou le Congrès. Parce que s'il va passer chez eux et il n'a pas la majorité, donc ça va être 2-3 mois de va-et-vient et de négociations. Et durant une pandémie, vous n'avez pas le temps de faire telle négociation parce qu'il faut aller très, très vite. Pourquoi on a ces protocoles? Pourquoi ils sont très importants? Ils sont très importants parce que dans ces protocoles, il faut faire des provisions de stockage. Stockage, si vous voulez, des masques, stockage de médicaments de base, stockage de vaccins et stockage de tout ce qui est instrumentation au niveau des hôpitaux. Et cette fois-ci, on a vu, avec l'exception de la Chine, de la Corée du Sud, de la Nouvelle-Zélande, à peu près de l'Allemagne, tous les autres pays à travers le monde n'avaient pas de stockage. Parce que typiquement, ces stockages font partie de tout ce qui est militaire. C'est nos militaires qui pensent, parce que ce sont des experts de logistique. C'est nos militaires qui font ce stockage pour eux, pour l'armée, en cas de guerre. Donc, pour tout ce qui est civil, il n'y a pas de préparation. Et vous avez vu ça même au niveau des États-Unis. C'était honteux d'avoir des hôpitaux de première classe à New York qui n'avaient pas beaucoup de ventilateurs. Même pas en stock. Les seuls ventilateurs qu'ils avaient étaient dans les salles déjà occupées de réanimation. Donc, une fois que vous avez un protocole, donc ce protocole va faire beaucoup de provisions du stockage. Et ce stockage, il faut le changer chaque 5 ou 10 ans. Tout dépend du matériel que vous avez dedans. Tout dépend des médicaments que vous avez dedans. C'est très, très, très important. D'accord. Le prochain point, il y a toujours un début à une pandémie. Il y a toujours une fin. Il y aura toujours une fin. Le problème, c'est la durée. Donc, si vous êtes organisé et vous avez des protocoles d'urgence et vous les avez activés, vous avez donné le pouvoir au président, vous avez donné le pouvoir au premier ministre. Et ces gens-là, avec tous leurs experts, ils vont faire les démarches pour gérer l'affaire. Donc, tout dépend d'eux. La durée va dépendre d'eux et aussi la durée va dépendre du peuple. Donc, en 2015 en Corée du Sud, la première chose qui a été mal faite, la présidente a menti à toute une population. Il ne faut jamais faire ça. Jamais. Parce que si vous allez faire ça, vous avez coupé tout ce qu'il y a de trust entre les deux. Et vous allez avoir un très grand problème de gérer cette pandémie. En plus qu'on est tous humains, donc il y aura le problème d'hystérie, il y aura le problème du stress, de l'angoisse, de la psychologie, et ça va être très, très mélangé. Le début d'une pandémie est toujours dur. Si vous voulez, c'est d'essayer de faire monter un grand ballon sur une montagne. Ça va être dur, vous ne pouvez pas le porter, donc il faut le pousser. Et tout seul, tu ne peux pas le pousser. Donc, il faut beaucoup de gens à pousser ce ballon jusqu'au sommet de la montagne. Ça, c'est le début d'une pandémie. Et si vous faites ça d'une manière collective, d'une manière organisée, vous allez arriver au sommet de cette montagne le plus vite possible, comme a fait la Corée. Si vous êtes désorganisé, il n'y a pas de protocole d'urgence, donc il n'y a pas les chaînes de commande comme les militaires. Donc, il y aura beaucoup de gens qui veulent être stake takers, qui veulent dominer la pandémie, mais n'ont pas d'expertise à le faire. Donc, ce ballon ne va jamais arriver
au sommet de la montagne. À chaque fois que vous allez le pousser trois fois, il va revenir en bas. Et ça, c'est ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe actuellement en France et ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Bien que après avoir éclairci tous ces problèmes, parce que les États-Unis, c'est des États-Unis. Donc l'État de New York, le gouverneur de New York, M. Cuomo, après sa décision de faire tout ce qui est bien pour l'État de New York, indépendant du gouvernement fédéral. Parce que notre président Trump, malheureusement, a politisé ce problème pour son avantage politique, parce que les élections se seront dans le mois de novembre. Et donc, lorsque le gouverneur a pris ça en main, il a activé ses propres protocoles. C'est les protocoles au niveau de l'État de New York. Et maintenant, ils sont au sommet et c'est plus facile de pousser le ballon de l'autre côté parce que le ballon va descendre plus vite que de le faire monter. Donc, c'est à peu près ça. Dans l'Algérie, on est bien parce que le ministre de la Santé a géré ça. Donc, on n'a pas eu beaucoup de mains pour gérer qui va pousser ce ballon au sommet de la montagne. Et en plus que l'intervention de notre président était, si vous voulez, très ciblée, de parler directement avec la population et de leur expliquer ce qui se passe. Il y a eu des dégâts quelque part par quelques ministres, par le premier ministre, mais ce n'est pas grave à la fin de la journée. On a pu, j'espère que le ballon de cette pandémie en Algérie est proche du sommet ou peut-être est au sommet. Donc, ce sera plus facile de gérer l'affaire de l'autre côté du point de vue des confinements. Donc, la fin d'une pandémie, ce n'est pas de déclarer qu'on n'a plus de virus. On ne peut pas faire des déclarations comme ça. Il faut un minimum de 6 mois où il n'y aura pas de cas. Donc, du coup, qu'on a un problème de dépistage, par exemple, en Algérie, on ne saura ça jamais. Et donc, le seul moyen de savoir si on a des cas en Algérie ou non, c'est le réseau des hôpitaux et de voir est-ce qu'il y a des malades symptomatiques qui se présentent. Parce que maintenant, nos médecins en Algérie sont devenus champions, surtout nos jeunes médecins. Je les salue et c'est l'expérience de la vie d'être au milieu d'une pandémie. C'est la même chose que beaucoup de soldats vont dire, d'être soldat toute ma vie sans être dans une guerre, ce n'est pas vraiment la valeur d'un soldat. Un soldat, il doit qu'il soit dans la bataille, soit dans le milieu d'une bataille. Et nos médecins, surtout la jeunesse, dans nos docteurs, c'est une expérience à vie d'être parmi les médecins au premier rang durant cette pandémie. Et c'est eux qui vont dire dans quelques mois s'ils ont des nouveaux cas qu'ils ont vus avant ou qu'ils n'ont pas de nouveaux cas. Donc, du point de vue pandémique, il faut un minimum de 6 mois. Donc, 6 mois sans un cas, ou un maximum de 12 mois sans un cas. Pour vous donner un exemple, en 2002, le premier SARS qui était venu n'a pas fait beaucoup de dégâts. Donc, en 2003, on a dit qu'on a gagné la bataille contre le SARS. Ce n'était pas le cas. Il faut attendre 2004, il faut attendre 12 mois. Et après 12 mois sans nouveau cas, on a gagné la bataille. Parce que là, ces virus de bêta-corona ne sont pas intéressés à vivre avec nous, sinon ils ne sont pas en train de nous tuer. Ils sont de passage parce qu'on les a dérangés et il faut qu'on les laisse partir. Et le seul moyen pour eux de partir, c'est la mort naturelle du virus. C'est pour cela que le confinement, le Hajar Sahi, c'est plus important que n'importe quel vaccin. Parce qu'il n'y aura pas de vaccin pour ce Covid, mais je ne pense pas. Donc, le confinement va synchroniser la population avec le virus. Donc, ça donne une opportunité aux autorités à travers beaucoup de pays de trouver ces foyers. Et si votre population, ça marche et ça, ils font le va-et-vient chaque jour, ça va être très difficile de voir où sont ces foyers. Vous n'allez rien que voir des petites étincelles qui ne vont pas aider.
D'accord. Quels sont les tools to manage a pandemic? Donc, on est dans l'âge de médias sociaux, on est dans l'âge de l'informatique, on est dans l'âge de Internet. La Corée a pu faire ça avec des applications très simples, Geolocator, pour identification et pour voir si je dis à cette personne de ne pas quitter leur maison, une fois qu'il quitte, j'aurai un signal de me dire que cette personne a quitté sa maison. Dans la Corée, ils ont pu faire ça avec beaucoup de problèmes au niveau de la justice, la Cour suprême de la Corée. C'est mon dernier point. C'est les droits du citoyen. Le citoyen toujours réclame ses droits. Et maintenant, lorsque Big Brother va commencer à les surveiller, ça devient problématique pour beaucoup de gens parce que la constitution coréenne est à peu près comme la constitution américaine, c'est la protection de tes droits d'être anonyme. On n'a pas besoin de l'État américain de nous suivre tout le temps et de voir ce qu'il est en train de faire. Et donc, en Corée, ils ont pu gérer ça. Aux États-Unis, c'est avec beaucoup de difficultés. Parce qu'à chaque fois qu'ils veulent faire ça, même au niveau de l'État de New York, il y a des commissions Civil Liberty Rights, il y a des commissions Data Protection Act qui disent que ça, vous êtes en train de, you're infringing on our rights. Donc, vous êtes en train de nous contrôler dans un pays dont la Constitution me donne le droit de faire ce que je veux faire. Et c'est devenu très difficile à faire. Par contre, dans un autre pays, un petit pays qui s'appelle la Nouvelle-Zélande, ils ont pu faire ça sans problème. Ils ont fait du confinement à 100% et la première ministre de la Nouvelle-Zélande, elle a pris la même décision que les protocoles d'urgence de la Corée du Sud. Donc, elle a éliminé tout ce qui est législatif pour ne pas lui casser la tête durant une pandémie. Et une fois qu'elle a fait ça, la justice, elle est avec elle, parce que c'est le seul moyen de s'en sortir de cette épidémie. Et je vois qu'il y a beaucoup d'applications qui circulent, mais dans des pays, il y a des problèmes, des citoyens qui réclament leurs droits et leur droit d'être anonyme et leur droit d'être libre et tout cela. Et donc, ça devient problématique dans beaucoup de pays. Et je pense dans le futur, je pense même dans 6 à 9 mois, il y aura beaucoup de changements du point de vue santé globale vis-à-vis de ces geolocators et vis-à-vis de Big Brother Watching. Donc, ils vont les activer avec le protocole d'urgence. Une fois qu'il y a une pandémie, ils vont activer ça. Et une fois qu'il active ça, cette liberté est perdue pendant quelques mois. Parce que le seul moyen de sortir d'une pandémie, c'est de voir où je suis, si j'ai quitté ma maison ou non, si j'ai obéi ce qu'ils m'ont dit ou non. Et c'est à peu près le problème qu'ils ont un tout petit peu en Corée du Sud avec quelques religieux. Et donc, il y a une autre bataille aussi avec la religion que vous avez vu dans quelques pays, mais notamment en Corée du Sud, ils ont stigmatisé un tout petit peu l'Église, donc c'est devenu un problème, donc ces religieux ne vont plus dans leur Église, si vous voulez, donc ils sont en train d'aller dans des sous-sols, des buildings, pour faire leurs prières ensemble. Et dans un sous-sol, l'Internet ne marche pas beaucoup, le Wi-Fi ne marche pas beaucoup. Donc de temps en temps, ils trouvent ces cultes, d'autres temps, ils ne trouvent pas. C'est pour cela qu'ils ont quelques cas par jour, je pense, moins de 10 ou 20 cas par jour. Donc, c'est à peu près ce que je voulais dire aujourd'hui sur tout ce qui est pandémique, les leçons qu'on a apprises en 2015 de la Corée du Sud, comment la Corée du Sud les a utilisées en 2020, et ils s'en sont sortis très bien. Je pense qu'il n'y a eu pas mal de dégâts en Corée du Sud, il n'y a pas eu de confinement en Corée du Sud. Les gens sont disciplinés et ils écoutent maintenant le président Moon, parce que le président Moon n'a pas menti, n'a pas fait sortir l'armée dans les rues. Et pour le futur, j'espère pour l'Algérie qu'il y aura des discussions au niveau beaucoup plus, je pense, au niveau de
de la présidence pour avoir en place des protocoles comme ça, pour éviter des monopoles comme l'Institut Pasteur et de laisser des gens travailler, d'identifier ces gens-là avec leurs capacités techniques. On a de la richesse en Algérie, on a de bons chercheurs en Algérie, de bons virologues, ils sont très bien calés. On a des étudiants qui peuvent les aider. On a beaucoup de chercheurs qui sont à l'étranger, notamment qui peuvent aider. Mais si on n'a pas un protocole d'urgence activé, ça ne va pas aider parce que ça sera toujours cet engrenage bureaucratique que les gens ont vécu depuis la fin du mois de février, début du mois de mars. Mes derniers mots, je pense qu'on est au sommet avec cette pandémie et je pense que cette fois-ci, l'Algérie va sortir de cette pandémie avec le minimum de nombre de morts et avec le minimum de dégâts possibles. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de discussions après ça. Moi, personnellement, j'aimerais bien voir une enquête, de voir à peu près comment s'est passée la pandémie du début à la fin, avec les responsabilités. Et moi, je suis beaucoup plus intéressé de la compétence et du monopole. Pourquoi on n'a pas laissé beaucoup de gens travailler? Je vais m'arrêter là et d'essayer d'ouvrir avec RIM Q&A, question answers. Merci beaucoup, docteur Djabla, pour tous ces éclaircissements. Nous dormirons beaucoup plus instruits ce soir, je pense. Alors, moi, j'ai une question à poser. J'aimerais savoir, nous avons remarqué, parce que vous avez beaucoup parlé de confinement total, nous avons pu remarquer qu'il y a des pays qui n'ont pas appliqué de confinement total et qui ont un taux de mortalité moins important que d'autres pays qui ont été, disons, stricts. Est-ce parce que dans ces pays qui ont appliqué le confinement strict, ce fut un petit peu trop tard ou quelle est cette raison? Je pense, vous évoquez là une question très importante. Je pense, par exemple, les pays scandinaves ont un système de santé très, très développé par rapport à d'autres. Donc, ils ont une population qui prend les vaccins en sérieux. Donc, à chaque fois qu'il y a un rappel pour un vaccin, ils vont faire ce vaccin. Ils vont vacciner leurs enfants et c'est des populations disciplinées. Donc, ce n'était pas très dur. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont en train de critiquer la Suède, le Danemark, la Norvège, par exemple. Non. Ils ont un système qui est très efficace du point de vue de santé. C'est des petites populations, ce n'est pas des grandes populations. Ils n'ont pas une très grande densité urbaine. Donc, par conséquent, c'est plus facile d'identifier les infectés parce que tous les infectés dans ces pays scandinaves sont importés. C'est comme l'Afrique, les pays scandinaves, c'est comme une île. Même. Oui. Il n'y a pas de frontières terrestres. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un infecté, il commence le traitement. Et le traitement, c'est la magie de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine avec tout ce que vous avez comme antibiotiques ou antiviral. C'est pour cela que ces pays ont enregistré moins de cas de mort que d'autres pays au sud de l'Europe. Comme vous voyez tout aujourd'hui, avec l'exception peut-être de l'Allemagne. Effectivement, oui. Vous évoquez la chloroquine. En fait, la chloroquine, au début, a fait un grand scandale, notamment après la décision du docteur Raoult de la prescrire sans passer par tous les protocoles de mise sur le marché, alors que cette molécule est déjà mise sur le marché.
L'Algérie, par contre, a adopté le protocole du docteur Raoult sans se poser de questions. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui nous a sauvés du scénario italien? Vous savez, moi, j'étais personnellement étonné de la polémique sur la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. Non seulement en France, mais même aux États-Unis. Et on me demande cette question, par exemple, tout le temps. C'est un ancien médicament qui a été utilisé par plus de 500 millions de personnes sur cette terre. Donc, avant la Effectivement. pandémie, on n'a jamais entendu parler des effets secondaires, des crises cardiaques de ce médicament. Le problème avec ce médicament, malheureusement, parce qu'il n'est pas cher, il est devenu un atout politique. Et parce qu'il est devenu un atout politique, moi j'en suis sûr, avec une certaine, with 100% certainty, qu'il y a des essais cliniques qui ont été faits exprès pour tuer les gens et de dire que ça ne marche pas. Moi, j'étais étonné des derniers résultats de l'hôpital VA Hospital. C'est un hôpital pour les vétérans où ils ont démontré qu'il n'y a pas d'effet de l'hydroxychloroquine avec azithromycine, le protocole de Didier Raoult. Ils ont utilisé 600 mg par jour. C'est de la folie, c'est de la foutaise. C'est des gens, moi, j'étais complètement choqué parce que c'est des gens qui travaillent par l'éthique. Donc, il doit y avoir une équipe éthique au niveau de l'hôpital qui va voir ce protocole. Ils vont se demander des questions. Ils n'ont pas fait ça. Donc, 600 mg par jour pendant 10 jours, on va tuer beaucoup de gens, hein? Même les gens qui n'ont pas de symptômes. En plus, c'est des gens qui sont dans la phase 3 de l'infection du virus. Donc, ils sont déjà en réanimation, ils sont en état qui n'est pas bien avec un respiratoire artificiel. Et ça veut dire qu'il y a du virus dans le sang, il y a des bactéries dans le sang. Donc, si le virus ne va pas les tuer, les bactéries vont les tuer. Donc, la majorité d'entre eux sont morts soit par crise cardiaque, parce que le corps n'en pouvait plus, soit par organ failures. Ça commence par les reins. Les reins seront bourrés de virus, ils seront bourrés de bactéries. Pour l'Algérie, ils ont adopté ce protocole, mais je pense que l'application de ce protocole au niveau des hôpitaux a été beaucoup plus réglementée que les gens qui vont prendre ces protocoles chez eux dans la maison. Et je pense qu'en Algérie, comme d'autres pays, par exemple, parce que l'hydroxychloroquine par elle-même n'a pas vraiment des effets cardiaques. Moi, je n'ai jamais entendu ces effets cardiaques. Moi, je sais que les gens qui prennent de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine, les 2 premiers jours, ils auront un problème de vomissement et notamment une diarrhée sévère. Mais après le 3e jour, tout devient normal parce que ce qu'on veut de la chloroquine, c'est d'exposer beaucoup d'organes. Et comme la chloroquine a une longue durée dans le corps, donc le corps il est protégé, le système immunologique il est activé si vous voulez, et s'il y a des virus, la chloroquine peut réduire le taux viral, mais pas lorsque le taux viral va dépasser un certain niveau. Je pense en Algérie, ça a été bien réglementé au niveau des hôpitaux, parce qu'on a des docteurs qui sont très bien calés, et j'en suis sûr, ils sont comme moi, ils ont vu la chloroquine, ils ont dit oui. Ils ont vu l'azithromycine, ils ont dit, oh, ah, comment on va gérer cette affaire? Parce que c'est un microlithre qui a beaucoup de problèmes avec le cœur, on a connu ça à plus de 30 ans, donc ça devient une situation qui doit être gérée au niveau d'un hôpital, et je pense même en Algérie, des fois, je pense qu'ils vont éliminer l'azithromycine, tout dépend des cas, ou de réduire la concentration de ce médicament. Très bien. On en revient à la stratégie dont vous étiez en train de parler tout à l'heure, qui a fait l'objet de votre intervention ce soir. J'aimerais revenir
sur le cas de l'Algérie en ce qui concerne le confinement. Est-ce que, selon vous, si je comprends bien, l'Algérie a relativement bien géré la diffusion de la pandémie? Je pense notamment au confinement extrême de la région de Blida. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, nous avons vu qu'hier, le Premier ministre a annoncé les mesures de déconfinement partiel. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette question, parce qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est très, très partagé. Mais on aimerait avoir votre avis à vous, l'avis d'un spécialiste. Ouais. Je pense du point de vue de gérance de la pandémie en Algérie, je pense que notre gouvernement a très bien fait leur démarche vis-à-vis de la pandémie. Moi, j'aimerais bien rappeler les gens de bien connaître, de bien comprendre. Si vous ne fermez pas les frontières, vous n'allez jamais sortir d'une pandémie. Parce qu'on est dans un continent isolé, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent, donc c'est plus facile à gérer. Et quand vous voyez nos pays, les pays qui sont au nord de l'Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée, ils n'ont pas fermé leurs frontières. Donc leurs frontières terrestres étaient complètement ouvertes, c'est pour cela que le virus s'est propagé non seulement dans l'Afrique, dans l'Europe de l'Ouest, mais aussi l'Europe de l'Est. On voit beaucoup de cas maintenant à travers l'Europe de l'Est. Et c'est la souche qui circule en Italie. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très bien fait. Et on était, si vous voulez, très chanceux que notre gouvernement a pris la décision avec un intervalle de 3 semaines. Donc, je sais, c'est difficile de faire un confinement pour une population. Moi, la chose qui m'a surpris, parce que je ne parle pas arabe, c'est de l'appeler « l'hajar sahi ». Ça m'a donné des maux de tête, parce que je n'ai pas pu Google Translate à des problèmes avec « hajar sahi ». À part ça, je pense qu'ils ont fait une très bonne chose, parce que les gens, au début, n'ont pas compris la gravité de la situation. Et c'est toujours fait, oui. Au début d'une pandémie, les gens ne comprennent pas. C'est un point sur la liberté de circulation des gens. Oui. Même aux États-Unis, il y a des gens maintenant qui sortent dehors et avec des pancartes qui disent on ne veut plus de ce confinement, on veut aller travailler, on veut faire. Donc ça a un problème psychologique, ça a un problème socio-économique aussi et ça a un problème de santé à la fin de la journée. Donc, je pense que le confinement a bien travaillé comme stratégie en Algérie. Je ne pense pas que le dépistage a aidé. Je pense que c'est un peu honteux pour un pays de 40 millions de citoyens d'avoir rien de 6 500 tests performés. Ça, je trouve un peu bizarre. Donc, du côté du déconfinement, donc, je pense si... le ministre de la Santé, avec sa commission, avec toutes les données qu'ils ont du terrain, vis-à-vis où est ce ballon, est-ce que le ballon est au sommet de la montagne ou non? Et s'il pense qu'il est au sommet de la montagne, où il est à 99% du sommet de la montagne, dans beaucoup de pays, vous n'avez pas le choix. Il faut commencer à déconfiner, il faut commencer à ouvrir, avec des conditions. Notamment le port du masque. Et ça ne veut pas dire un masque chirurgical que vous n'allez pas trouver en pharmacie, vous n'allez pas trouver nulle part. Et peut-être vous avez trouvé des gens qui vont vous le vendre à 500 ou à 700 dinars, je ne sais pas. Mais d'utiliser votre ancien t-shirt que vous n'aimez pas, votre ancienne chemise, de faire un bandero. Ce n'est pas la mode. On ne va pas sortir avec la mode. On est en crise. Donc, il faut vous protéger pour sortir. S'ils vont faire ça, je pense que ce déconfinement progressif va marcher. La chose que j'ai vue, quelques images, quelques vidéos, qu'on a toujours un problème avec notre population. Je pense que c'est le mois de Ramadan et la mentalité a changé un tout petit peu.
parce qu'ils veulent faire leurs achats, elles veulent faire ces qalbelouzes, la biya et tous ces trucs-là. Mais ils peuvent faire tout cela, mais il faut qu'ils soient organisés. Donc la distance sociale en Algérie, je pense, ça n'est pas bien compris par les gens. Pourquoi on fait une distance sociale? Surtout lorsqu'on fait une longue chaîne pour entrer dans une supérette ou dans un magasin pour acheter du qalbelouz, par exemple. S'il y a quelqu'un infecté dedans et on va rester plus de 20 minutes, on a un problème. À l'exception, si vous avez un bandera, donc votre nez et bouche sont protégés. Donc, pour l'Algérie, c'est le même problème pour beaucoup d'autres pays. Moi, j'espère que le ministre de la Santé, avec ses conseillers, ont vu des données qui leur ont permis de dire « Ok, voici notre message ». Et c'était à M. Germain, le Premier ministre, d'annoncer ce message et de dire « Ok, on va faire ça progressivement ». Et je pense, d'un côté, c'est bien de commencer notre économie. De l'autre côté, qu'il reste vigilant sur la situation. L'autre chose que j'ai appris d'aujourd'hui, il y a quelques heures, que pour la première fois, l'hôpital de Blida n'a pas signalé de nouveaux cas. Donc, si c'est le cas vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour la région de Blida. Ça veut dire le confinement total a très bien marché. Et je pense et j'espère qu'ils vont commencer aussi à sortir de ce confinement progressivement et de retourner dans leur routine, surtout durant ce mois de Ramadan. Très bien. Merci, docteur Djabla. Il y a une autre question qui préoccupe un petit peu les Algériens. En fait, il est vrai que nous avons subi, nous sommes en plein confinement, aujourd'hui partiel. Il n'a jamais été total, mis à part la région de Blida. Mais nous voyons des rassemblements dehors. Nous avons l'impression que les gens n'ont pas conscience de la gravité de la situation. Est-ce parce que on n'en parle pas assez ou parce qu'on ne voit pas de cas concrets devant nous tous les jours quel est, selon vous, qu'est-ce qui fait que cette inconscience, quelque part, perdure? Il y a des personnes qui portent des masques, d'autres pas, des gens qui se font la bise dehors, qui se serrent encore la main. Donc, selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ce comportement? C'est un problème à base de communication et des messages qui viennent du gouvernement. Comme j'ai dit il y a quelques minutes durant ma présentation, il faut toujours qu'il y ait des messages courts et des messages qui ne sont pas contradictoires. Donc, c'est aux autorités algériennes de faire ces messages tout le temps. Moi, ce que j'ai vu personnellement, j'étais un peu déçu par quelques chaînes de télévision privée algérienne. Vraiment déçu. J'ai participé sur leur plateau. J'étais mécontent des interventions et des messages qu'ils voulaient sortir à la population. Donc, moi, lorsque j'ai quitté l'Algérie, il n'y avait rien que l'RTA, la télévision algérienne. Maintenant, il y a beaucoup de ces chaînes privées. Donc, c'est leur responsabilité sociale, vraiment, d'éduquer ces gens, si vraiment ces gens les suivent. Ça, c'est un problème que j'ai noté. Pour des chaînes de télévision, j'étais surpris d'être dans leur plateau pendant 5 à 10 minutes qu'ils passent des publicités, que j'ai appris de beaucoup de choses que je ne connaissais pas beaucoup avant sur les produits qui se vendent en Algérie, que des messages sur la situation et la gravité de la situation en Algérie. Et ça, c'était un peu décevant pour moi de voir ça. Donc, même si les autorités algériennes vont faire ça dans leur chaîne de télévision, de leur station de radio. Je pense les autres chaînes télévisées, il faut qu'ils fassent de sens. Un message concret, un message qui passe tout le temps. L'autre problème qu'on a malheureusement en 2020,
c'est les médias sociaux. Donc, j'ai dit ça auparavant, en Algérie, il y a 40 000 docteurs. Donc, chacun va aller quelque part chez Google ou chez Facebook ou chez YouTube pour trouver quelqu'un qui va dire quelque chose, qui va aimer et accepter. Et donc, s'il va m'entendre dire que c'est un problème, j'en suis sûr, il va dire, oh, si Allah. Et s'il va trouver quelqu'un qui va lui dire, ne t'en fais pas, si tu vas prendre de la vitamine C, le virus ne va pas venir chez toi. Et je pense que c'est à peu près ce que j'ai vu à travers notre pays, notamment des gens que je ne connais pas, qui me contactent de me demander des conseils avec des choses qui m'ont choqué. Et ça, je pense, c'est à la base de ce message, et ce message doit être contrôlé par nos autorités. C'est pour cela qu'il faut un protocole d'urgence. Comme ça, M. Tebboune, il va devenir PDG de toutes ces stations de radio et de toutes ces télévisions. Il va les ordonner à faire un message concret, de la même manière qui se passe aux États-Unis. À chaque fois qu'il y a une publicité, il y a trois, quatre messages qui viennent des personnes de la commission, de M. Trump, qui parle aux gens dans un langage très simple pour que les gens comprennent à peu près la sévérité du problème, pourquoi il faut mettre un masque et pourquoi il y a cette distance sociale. Malheureusement, je n'ai pas vu ça en Algérie. Effectivement, effectivement. J'aimerais revenir sur la question de la chaîne logistique. Vous parliez de la cellule de crise au niveau du ministère de la Santé en Algérie, des laboratoires tests. Que peut-on dire de la gestion à ce niveau-là et que peut-on surtout améliorer? Personnellement, j'ai eu affaire à quelques membres de cette commission qui a été créée. J'étais pas impressionné. Si vous avez une cellule de crise au niveau d'un ministère, il faut toujours aller chez les gens qui ont fait le terrain, les gens qui connaissent une pandémie, les gens qui vont vous aider à gérer cette pandémie. Si vous allez demander à des gens qui sont des professeurs de 20, de 30 ou 40 ans, à un certain âge, de venir vous aider dans une pandémie qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi une pandémie, comment faire la gérance de cette pandémie, moi je pense c'est grave. C'est pour cela, moi j'espère, après la fin de cette crise, que le président Tebboune va faire cette enquête. Rien du point de vue de compétence au niveau même de cette commission. Comment elle a été choisie, sur quelle base, quelles sont les compétences et c'est quoi l'aide que cette commission a fait venir au gouvernement algérien pour l'aider de sortir de cette crise. Notamment la gérance et la stratégie de cet institut qui a pris le monopole du dépistage. Très bien, merci. Nous allons revenir à un sujet que vous aimez beaucoup. Je reviendrai donc, je disais, je vais revenir à un sujet que vous aimez beaucoup, c'est-à-dire la jeunesse algérienne. Nous avons lancé en marge de l'Algeria Startup Challenge le Corona Hackathon. Nous avons pu réceptionner plusieurs projets en fait pour l'amélioration de la situation relative aux conséquences du Covid-19. Nous avons reçu une trentaine de projets et nous soutenons actuellement trois d'entre eux, dont le projet de Issa Afni. Que pourriez-vous dire à cette jeunesse algérienne locale, aussi bien locale que celle de la diaspora, qui est en train de briller par
qui est en train de briller par ses idées, en fait. Quand on a fait passer les auditions, nous avons été agréablement surpris par leur niveau de compétence, leur maturité de réflexion. Quel conseil, que pourriez-vous, en tant qu'expert international, leur dire? Exactement, moi je ne connaissais pas la jeunesse algérienne, notre jeunesse. J'ai commencé à les connaître il y a quelques mois durant cette pandémie. C'est des gens qui étaient braves de reach out to me, de me contacter. Et j'étais très content et j'étais very humbled d'être parmi eux pour leur donner des conseils. Rien pour avoir une conversation. J'étais surpris par leur créativité. À travers Algeria Startup, j'ai vu un projet. J'étais vraiment étonné. Un projet, une application sur un téléphone. J'étais vraiment étonné par ça. Je travaille un tout petit peu avec un autre groupe qui s'appelle We Algerians. Et ce groupe-là, vraiment, je leur tire chapeau. Ils sont des amis de discipline, very disciplines, qu'ils ont créé un groupe qui est non seulement qui ont fait venir des tests de dépistage de la Chine, ils ont pu concevoir et fabriquer des masques et des shields en Algérie. J'étais très étonné par ces jeunes-là. Moi, mon message est toujours un message d'espoir. Il n'y a aucune personne sur Terre qui peut vous dire ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire. C'est dans vos mains, c'est votre créativité. Et vous allez avoir un succès, vous allez avoir pas de succès. Ça ne veut pas dire que c'est la fin. Je ne vais pas citer les exemples des gens qui ont fait ça à travers le monde et c'est quoi leur point de démarrage, notamment Steve Jobs. Parce que des fois, lorsqu'on est très fort et on est intellectuel et on est génie, on dérange beaucoup de gens dans notre entourage. C'est pour cela, il faut toujours foncer et il faut toujours avoir un rétroviseur pour voir ce qui se passe derrière vous. Il faut jamais tourner la tête. Si vous tournez la tête, vous avez accepté la défaite. Il faut jamais tourner la tête. Il faut avoir un petit rétroviseur et de rien regarder ce qui se passe. Il faut jamais tourner la tête. Moi, je leur dis bon courage, bonne continuation. Il y a eu même la jeune chercheuse Asma, je ne me rappelle plus de son nom de famille en Suisse, qui a fait une interview. De challenge d'un prix Nobel, Luc Montagnier, sur ces conneries, sur ces virus. Et pour moi, j'étais très content de voir notre jeunesse algérienne, même au niveau de la scène internationale, de parler avec une confiance que j'ai pas vu ça avant. Donc, je suis content qu'ils sont là. Je suis content qu'on est en train de les aider, que vous êtes en train de les aider. Et j'espère que un jour, ils vont prendre les clés de l'Algérie, le pays qui s'appelle l'Algérie. Et j'espère qu'en notre pays, ces gens-là, ils vont, si vous voulez, restart tout ce qui est richesse algérienne et de bien l'utiliser. Parce que je sais qu'en ce moment, peut-être Al-Jazeera, ces gens-là ne sont pas très bien écoutés encore parce que c'est notre culture algérienne. Lorsque tu es jeune et tu as des idées, ces gens-là te disent toujours que tu m'as appris beaucoup pour dire des choses comme ça. Et ça, c'est malheureux, mais c'est notre culture. J'espère que ça va changer dans le futur. Merci beaucoup, docteur. Je vais juste clôturer avec la question d'une internaute qui voulait vraiment poser sa question.
Avant de vous laisser, parce que je suppose que chez vous, le fton est déjà passé, on vous a retenu, nous nous excusons. Alors, elle dit, est-ce que ce virus a une relation avec Food Security Index pour cibler certains pays? Une très bonne question. Je pense, moi, j'ai pas vu un problème de food security jusqu'à présent. Ce que j'ai vu, c'était pas vraiment au niveau de food, mais beaucoup plus of chain supply pour des médicaments. Pourquoi? Parce que les pays développés, ils sont des pays, comment dirais-je, un tout petit peu arrogants. Donc, ils sont toujours à la recherche des travailleurs qui seront moins payés pour faire le même travail qu'un Français ou qu'un Américain. Malheureusement, dans tout le domaine de pharmaceutique, même pour les vaccins, 99% de la matière première est faite entre la Chine et l'Inde. Donc, si ces pays-là sont dans un confinement, donc tout ce qui est pharmaceutique et vaccin n'est pas considéré utile. Tout ce qui est food supply chain, c'est considéré utile. C'est pour cela, à travers beaucoup de pays, tous les supermarchés qui vendent de food, j'ai oublié le mot en français, tous ces supermarchés qui vendent de matelas, Nourriture. les nourritures, merci, sont ouverts. Donc, on n'a pas de problème de supply chain. Ce qu'on a maintenant, on a un problème d'excès. Oui, on a un problème d'excès de nourriture. Parce que les gens confinés, apparemment, ils ne mangent pas beaucoup que lorsqu'ils sortent. Donc, on a un problème d'excès. Donc, ça, c'est au niveau des pays développés, des pays stables. Maintenant, pour tout ce qui est pays en guerre ou pays en désaccord avec d'autres pays ou les pays pauvres, il y a un problème. Et ce problème, c'est crisis management. C'est, si vous avez vu, les États-Unis ont décidé de supprimer tout ce qui est support argent pour l'OMS. Et donc, l'OMS, dans quelques mois, n'aura pas les moyens de nourrir pas mal de ces gens-là à travers la planète. L'autre problème qui commence, c'est une crise humanitaire qui a déjà commencé en Inde, qui a commencé dans beaucoup de pays du Golfe, même en Europe, même aux États-Unis. C'est les gens qui sont soit des travailleurs de courte durée, s'ils sont travailleurs de visa ou ils n'ont pas de visa. Donc ces gens-là sont coincés partout. Et ils n'ont pas les moyens d'aller trouver de l'aide pour la nourriture ou même pour l'aide médicale. Donc on commence à voir, même aux États-Unis, ça commence à devenir un problème. En Inde, c'est déjà un problème. Au pays de Golfe, c'est déjà un problème. Pour d'autres pays, ça devient une crise. Là, je pense que ces pays-là n'ont pas pris conscience parce qu'ils n'avaient pas un protocole d'urgence. C'est comment faire avec les visiteurs qui sont dans le pays, notamment les travailleurs qui viennent d'autres pays et maintenant ils ne peuvent plus rentrer chez eux parce qu'il n'y a pas de trafic aérien. Donc, on n'a pas de problème de nourriture. The food supply chain is safe pour le moment. La seule exception peut-être qu'il n'y aura plus de langoustines envers la Chine. C'est ce que j'ai entendu. C'était la seule exception que les riches en Chine ne sont pas contents parce qu'ils veulent de la langoustine du Canada et des États-Unis. Il n'y aura pas de langoustine pour eux. Donc, ils seront un peu furieux de ça. Docteur Hakim Jabla, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de votre présence, de nous avoir éclairé de votre savoir, de votre expérience, de nous avoir consacré du temps. Quand on vous a demandé de venir intervenir afin d'élargir les horizons de notre jeunesse algérienne, vous n'avez pas hésité une seule seconde malgré votre emploi du temps que nous savons très très chargé. Docteur Jabla, nous allons arrêter ici.
notre entrevue. Nous allons vous laisser aller casser votre jeûne. Nous sommes désolés de vous avoir retenu aussi tard. Il était prévu que nous restions juste un quart d'heure, mais votre compagnie est tellement plaisante que nous n'avons pas su s'arrêter un petit peu avant. Nous aurions aimé continuer cette discussion encore longtemps. Malheureusement, nous allons y mettre fin. L'Algeria Startup Challenge pour Sahara Tech continue tout ce mois du Ramadan. Nous aurons le plaisir de recevoir le professeur Lotfi Belkhir, que vous connaissez bien, docteur Djabella, dès après-demain, pour nous parler d'invention versus innovation. Demain, nous lançons les tutoriels, les formations pour nos jeunes start-upers, porteurs de projets. On abordera des thèmes comme comment créer son entreprise, comment faire un business plan, comment élaborer un business model, comment présenter son projet. Ça va être tout au long de ce mois de Ramadan. Un jour sur deux, nous allons avoir des webinaires et des personnalités de renom tels que vous, docteur Djabella. Et je dis à tout le monde, restez branchés avec nous tous les soirs à 22h30. Si nous changeons d'horaire, nous vous tiendrons informés à l'avance. Les thèmes des conférences et des tutoriels seront diffusés sur notre page Facebook de l'Algeria Startup Challenge. Et je vous dis à tous, sahas holkom, et merci d'avoir veillé avec nous. Bonne soirée merci. À tous. Bonsoir. Merci, docteur. Au revoir. À très bientôt, j'espère. Bye bye. Au revoir.